Et sérieusement, beaucoup de gens passent à côté de leurs opportunités à cause du mensonge. Le mensonge qui provient du complexe. Il y a des hommes, quand ils te font la cour, « Oh non, j'ai ci. Oh non, j'ai ça. Oh non, je veux te donner ci. Oh non, je veux te faire ça. » Et quand il arrive sous le fait accompli, il est coincé. Parfois, il disparaît. C'est pas qu'il ne t'aimait pas, ma soeur. C'est pas qu'il a disparu parce qu'il ne t'aime pas ou bien parce qu'il ne voulait plus quelque chose de sérieux. Non. C'est parce qu'en fait, il est tombé dans son propre piège. Tellement que le mensonge qu'il a, il a commencé à faire lui rattrape. Et beaucoup d'entre nous, on rate beaucoup de choses à cause du mensonge. Le mensonge qui provient du complexe. Donc, dire à quelqu'un que vous savez, nous tous, on a eu des états de complexe. On a eu, vous savez, même les femmes à un certain âge, elles sont obligées de mentir leur âge. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils aiment bien les jeunes femmes. Beaucoup de femmes, beaucoup de foyers se sont retrouvés, beaucoup de femmes se sont retrouvées seules dans le foyer. Le mari, il a pris la jeune, il a pris l'étudiante. Il a pris une femme qui n'a pas d'enfant, qui quand il rentre le soir, les enfants ne crient pas. Alors que c'est lui qui t'a donné les enfants. Hein. Mais dès que ça fait trop de chantage, trop de bruit, trop de cris, il n'est pas tranquille. Il cherche là où il va, là où il est tranquille, en fait, là où il n'y a pas de bruit. Vous voyez? Et donc, il y a des hommes qui marchent avec un degré de mensonge qui n'a pas son nom. Et comme il y a des femmes qui marche avec un degré de mensonge, qui ne dit pas son mensonge. Et dire que vous savez, la simplicité, c'est bien. Mentir parfois, ça peut aider. Il nous arrive tous de mentir d'une manière ou d'une autre. Mais ne mens pas au point de rater des opportunités. Le mensonge qui peut te faire rater le mariage, le mensonge qui peut te faire rater une opportunité de travail, tu as menti que oh, j'ai un bac. La même personne à qui tu as menti là, c'est un chef d'entreprise. Et maintenant, quand il te propose que oh, amène-moi ton dossier, je veux te trouver un emploi, je veux te trouver une place dans mon entreprise. Tu es maintenant coincé en gain à cause du mensonge, le complexe. Oh non, si tu viens chez moi, j'ai telle chose. Oh, oh non, moi j'habite, même les quartiers, on ment. Oh, moi j'habite batterie 4. Oh, moi j'habite. Oh non, vraiment. Ah! Oh non, moi j'habite lui. Alors que tu es dans Batavia là-bas. Mais dis à l'homme que tu es en Batavia, peut-être que c'est lui qui va même t'enlever de Batavia pour te mettre à lui que tu vas aller habiter là. Arrête de mentir, le complexe. Adieu complexe, Anena, c'est comment les filles? C'est comment? Oh non, moi je travaille, je suis banquier. Alors que tu es une simple réceptionniste. Un jour, il vient dans ton entreprise, il te trouve maintenant. Allô, bonjour. Hein? Ma chérie, tu m'as dit que tu es comptable à la banque ou bien. Quoi? Tu as BGFI. Maintenant, tu fais quoi ici? Là? Tu fais quoi ici à RTL? Tu es réceptionniste. Mais réceptionniste, c'est un travail, ma soeur. Le moment où réceptionniste te permet de gagner ton. De manger, avoir ton gagne-pain. C'est le travail. Arrête de mentir. Si l'homme, peut-être il veut t'aider, peut-être que c'est lui qui va t'amener à BGFI. Donc, dis la vérité. Le complexe.
Oh, le machin, oh, moi je vis aux États-Unis. Oh, machin, machin, machin. Ok, est-ce que c'est la fin du monde parce que tu vis aux États-Unis? Peut-être il a juste fait un tour aux États-Unis ou bien il a fait un tour aux États-Unis défini. Oh, je vis là-bas. Tu as juste fait un tour. Dès que j'ai fait un tour, je suis allée visiter. C'est une opportunité. Et peut-être que tu vas repartir un jour, mais ne mens pas. Peut-être que la personne à qui tu mens, là, peut-être qu'il a la possibilité même de te faire aller vivre là-bas. Maintenant, si tu mens, comment la personne pourra t'aider? Prenons.